Bonjour à tous. Alors, je voulais vous montrer mes petits achats chez Action. Donc, on est début septembre et ils ont déjà commencé à sortir certaines petites choses pour Noël. Ils sont pas en retard, hein. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé 4 blocs comme ceci. Donc, je vous montre de près. Voilà. Et donc, c'est des blocs soit sur Noël, soit sur l'hiver. Alors, nous avons déjà une page avec des die-cuts. Nous avons une page avec des mots sur du papier calque, papier vélin. Ensuite, nous avons des papiers classiques. Un papier holographique. Et après, nous avons de jolis papiers pour faire des cartes, donc pour l'hiver ou Noël. Alors, je sais pas, là encore, des die-cuts. Je sais pas si ils ressemblent quand même assez au papier, au bloc de l'année dernière. Alors, je sais pas si c'est les mêmes ou pas. Toujours des die-cuts. Donc, ça donne plein plein d'idées pour faire des cartes. Bah, c'est pas la bonne saison parce qu'aujourd'hui il fait un beau soleil. Il fait presque 30 degrés. Donc, c'est vrai que là on a du mal à s'imaginer faire des créations sur Noël. Mais bon. Et à la fin, une autre feuille, papier vélin, papier calque, avec des mots. Donc, ça c'était ce bloc-là. Ensuite, alors j'en ai trouvé 4 en tout, hein. Alors, donc là, c'est plus sur Noël, du papier vélin avec des mots. Alors, papier. Ça me fait penser, j'avais des. Mes grands-parents avaient des nappes comme ça quand j'étais petite. Alors, du papier doré. Nous avons différents fonds. Très très sympa. Donc, c'est des blocs à 4, hein. Petites étoiles. Des petites maisons. Et puis encore des die-cuts. Des petits gâteaux. Non, c'est pas des gâteaux, ça. N'importe quoi, c'est des petits rondins de bois. Toute gourmande. Puis encore une page avec du papier vélin et des mots en noir et en doré. Donc ça c'était le deuxième bloc. Après le troisième bloc, il est comme ça. Donc pareil, hein. Le petit Père Noël, là. Des petites lampes pour faire des créations sympas. Donc tout est prédécoupé, hein. Après nous avons donc le papier vélin. Et puis des papiers pour faire des créations. Là, un beau rouge bien brillant. Il y a des papiers que j'aime un peu moins, ce genre de papier. Pas trop mon truc, mais il en faut pour tous les goûts. Alors là, nous avons des petites étiquettes, des petites décos. Donc, prédécoupées. Une petite maison, petit chalet. Voilà.
Le dernier, toujours le papier vélin avec du noir et du argenté. Alors, et le quatrième et dernier bloc que j'ai trouvé. Donc, visiblement, il commence à mettre aussi du papier vélin. Quelques décorations de Noël, mais bon, on est encore en septembre, hein, donc du papier doré. J'aime bien ce petit papier là. J'avais fait il y a 2 ans pas mal de beaucoup de cartes pour Noël et pourtant puis l'année dernière j'ai rien fait du tout. Ensuite, j'ai trouvé, alors c'était des petits blocs comme ça, donc sur Noël et l'hiver. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc, je vais vous montrer déjà l'emballage. Voilà. Et donc, on a des petites pochettes. Donc, dans la première petite pochette, nous avons des petits tags. On a des petites feuilles en A5 de différentes sortes. On a un petit peu de ficelle avec deux petites étiquettes, enfin deux petites étiquettes en bois. Et puis des petits autocollants. Et ensuite, nous avons dans une plus grande pochette, on a encore des décos comme ceci. Autre feuille. Donc il y en a après découpé pour faire par exemple des petites boîtes, hein, petites maisons. D'autres petites décos et encore hein, pour faire une petite maison, je pense. Et enfin, donc dans la dernière partie du bloc, on a des papiers. Donc cette fois en A4. Donc différents styles. Petite chaussette. Voilà. Alors ça c'était le premier bloc. Ensuite. Le deuxième, je vous montre déjà. Voilà. Donc là, on a. Là. Alors, une première pochette. Alors, on a, je pense que c'est de la fausse neige. Ou pas. Si, 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 c'est de la fausse neige. Si vous allez voir, c'est des petits par exemple là c'est un petit sapin, plein de petites choses à découper en noir, donc plein de petites découpes là dessus sur celui là aussi, si vous allez bien voir. Nous avons aussi deux feuilles avec des petits stickers. Voilà, nous avons des pages en A5. Après, dans la deuxième pochette, on a de quoi faire une petite
petite boîte, une petite pochette avec des petits stickers. Là aussi, une petite boîte. Donc, mettre à l'endroit, ce serait mieux. Voilà. Et la dernière pochette, c'est des papiers en A4. Donc le deuxième bloc, après on a le troisième bloc, donc je vous montre, il est comme ça. Donc on a la petite ficelle avec deux petites étiquettes en bois, des petits stickers autocollants, des petites feuilles en A5, et des petits tags à découper. Ensuite, nous avons la deuxième pochette. On a un beau loup là, en bas. Une petite maison, donc ils sont tous prédécoupés, hein. Donc pour faire des créations sur l'hiver, et puis la petite pochette là, donc c'est des papiers A4. Voilà. J'ai pas fait attention qu'ils étaient recto verso. Des petites branches et des petits loups de ce côté-là. Ça, c'était le troisième. Donc une petite pochette encore avec de la fausse neige. Non, sensation. Non. On a toujours des petits mots. Alors je ne sais pas si on va bien voir. Ils sont à découper. Là, on a petite glacier, enfin un petit. Donc c'est juste à vous montrer qu'on peut le découper. Et là, un gros flocon avec un trou, pas pour rien, un petit trou. Non. Nous avons des petits stickers. Nous avons des petits pingouins, un petit ciel bleu, des papiers pour l'hiver. Ça, j'aime bien ça. Sympa. Ensuite, la deuxième pochette. Avec des stickers et de quoi faire des petites boîtes. Et le dernier, c'est des images, enfin des papiers A4. Je trouve ça sympa celui-là. Bien. Petit glacier.
Voilà. Les petits achats déjà sur Noël. Alors c'est vrai que j'aurais pu attendre un petit peu, mais j'avais peur qu'il n'y en ait plus en magasin après. Donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.